Père, tu sais que je ne suis pas comme ça. Tu sais que tu m'as donné un rôle, Athéa. Pourquoi tu fais croire maintenant aux gens que la fille, elle est mal éduquée? Ce que vous pensez d'elle là, c'est ça qui est ça. Alors que toi-même, tu as dit, joue un rôle pour l'audimat. Voilà comment j'ai dit, moi, je m'en vais. Je ne peux plus rester là. Parce que ce rôle me dessert. Ce rôle me donne mauvaise presse et mauvaise image. Moi, que vous voyez là, j'ai une vie très posée. Ceux qui me connaissent savent. Si vous connaissez des gens qui me connaissent vraiment, demandez-leur. J'ai une vie posée. Je ne suis pas le genre de fille, tu vas me voir d'en bas, d'en boîte. Je dors des fois à 21h. Quand on dit 21h, chez moi, tout est noir. Moi, je dors. C'est dommage, si on m'attendait au tournant, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est ce que je dis. Je dis avec la prière, Dieu a fait qu'aujourd'hui, les gens même se sont levés pour déclarer aux yeux du monde entier qu'il m'avait donné un rôle. Et je sais que les gens comprendront que c'était qu'un rôle que je jouais. Et ça n'a rien à voir avec ma personne. Les gens m'ont insulté mes parents. Pour rien. Pour un rôle que j'ai malencontreusement accepté de camper. Je dis dans la vie, il faut savoir raison garder. C'est très important. Il faut savoir raison garder. Si j'étais venue moi-même crier sur tous les toits, oh, c'est un rôle qu'elle m'a donné. Vous m'insultez pourquoi? C'est elle-même là qui m'a dit des faits. On allait dire, voilà quelqu'un, on ne peut pas lui donner travail. Sa bouche se tait pas. On t'a donné un rôle là, tu vas venir dire à tout le monde. J'ai fermé ma bouche dessus. Quand bien même les gens, je voyais des commentaires, on insultait ma mère. Je n'ai pas parlé. Quand on m'invitait sur les plateaux, je parlais que de respect mutuel. Jamais je n'ai ouvert ma bouche pour dire ce qu'on m'a donné. Mais Dieu a fait que les gens eux-mêmes sont venus dire à la nation, au monde entier, que c'est un rôle qu'ils m'ont donné. Je remercie Dieu pour ça. Merci Seigneur. Tu es fort. On dit que quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Je n'ai même pas eu besoin de me déshabiller. Oh Dieu, même ils se sont déclarés. C'est bon. Si aujourd'hui les gens savent que j'étais dans un rôle, c'est pour ça que des fois, n'importe quoi sortait de ma bouche sur ce plateau, moi je suis contente qu'aujourd'hui les gens sachent la vérité. Je suis contente. Dans cette affaire de rôle, affaire de soumission là, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu de mes yeux, papa Mizouang allait insulter mes pauvres parents pour rien. Mais je suis restée sage. Je suis restée digne. J'ai attrapé mon cœur. Et dans mes prières, je disais à Dieu, toi-même, faut faire. Les gens vont savoir dans quoi j'étais. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le deuxième nom de Dieu, là, c'est le temps. Vraiment, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi accepter ce rôle? Parce que je voulais faire plaisir. J'aimais trop cette fille-là. Cette personne-là, je l'aimais beaucoup. Dans ma tête, quand on m'a donné ce rôle, ça m'a un peu choquée. Mais je me suis dit, tu es bonne actrice. C'est un rôle. Je vous ai dit tout à l'heure, comment j'arrive
à la guérite de la chaîne de télévision, je me mets dans la peau de la dévergondée. Je suis plus chaud là. Je me dis que je viens jouer un rôle. Voilà comment, voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais à chaque fois que je foulais le plateau de cette émission. C'est tout. Mais quand tu sais que toi-même tu nous as assigné des rôles, tu peux pas prendre ça pour te retourner contre nous. Tu peux pas prendre ça pour m'insulter. Mais tu sais que je suis pas comme ça. Tu sais que tu m'as donné un rôle, Athéa. Pourquoi tu fais croire maintenant aux gens que la fille, elle est mal éduquée? Ce que vous pensez d'elle là, c'est ça qui est ça. Alors que toi-même, tu as dit, joue un rôle pour l'audimat.